Bonjour YouTube, nous attaquons le CD3 aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur. On est parti pour une petite 2 heures, on va dire, de vidéo, bien entendu. Et on commence même avec un nouveau Prime. Merci beaucoup Nanshima qui s'abonne, pardon, à la chaîne. Merci énormément du soutien. Welcome à toi dans la team des singes et des chocobos. Sache que tu as été chanceux. D'après mon alerte, tu t'es abonné 3 fois. L'alerte qui a complètement buggé, il m'a mis 3 fois ton annonce. Pas mal. Première fois que j'ai ça, tu vois. Bon, du coup, triple abonnement incroyable. Team des singes et des chocobos. Petit chocobo dans le pseudo. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour avoir les magnifiques chocobos. C'est vrai que Sylcy, Tsunami et autres. Hein, sont parmi la classe des number one, hein, comme on appelle, hein, dans le milieu, mais n'hésitez pas à avoir un magnifique chocobo qui est évolutif en plus. Hein. Il évolue jusqu'à Sage, Black Mage, etc., etc. Donc on a vaincu la sorcière. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Tout est terminé? Pour DDR en tout cas. Mais pour Quinoa, cette histoire nous fait commencer. Donc, pour rappel, il s'est passé une petite dinguerie. Linoa est dans le coma. On l'a vu faire un truc vite fait à Cypher, hein. Main sur le front, vas-y, je te heal ou je ne sais quoi. Et ensuite, off complet, on n'a plus l'abonnement, on a oublié de payer et on s'éteint. Comme une grosse merde. Michael, tu m'entends? Rends-toi immédiatement chez Edea. La prêtresse Edea. Elle est de retour à l'orphelinat. Petite explication avec Edea, il est nécessaire maintenant de remettre les choses à zéro. Bonsoir, Kyo. Linoa, tu. Une petite partie? Une petite partie peut-être, Linoa. Pas très respectif, hein, la petite. Elle veut pas jouer aux cartes. C'est dégueulasse. On adore ça, jouer aux cartes, merde. Donc, connaisseur. Hein, on a déjà le connaisseur donc, qui n'est pas utile, mais qui nous permet de débloquer boutique. Hein, donc, on est en cours d'ascension pour avoir boutique. Mais c'est surtout le mode carte qui nous intéresse ici, puisque, bah, en fait, il y a Cerber qui a été des bottes de 7 km. C'est marrant, ça. Il nous a été demandé, en fait, de re-renommer Cerber, puisque Sylcy, un des viewers, voulait... Cerber en name. Ah, ce sont des Fabrice. Je n'en ai qu'un. Donc, si le chat pense, ou si Sylcy, toi, tu y penses, si on fight quelqu'un et qu'on voit une carte Fabrice, le meilleur pour en avoir, je dirais, parce que ce doit être une carte de niveau 7, très certainement, on va vérifier ça. Oui, c'est une carte de niveau 7. Oh, ok. Ok. Le mieux serait d'aller retourner voir Martine au... Ah. Alors attendez. Est-ce qu'il y a un moment où la BGU et le groupe CC, c'est plus possible de le faire? Vieux souvenir en mode... Mais Val, tu devrais peut-être faire groupe CC là. Oh, j'ai un gros doute maintenant. Le doute m'habite. Ah, j'ai peur de... Ah, on va faire EDA, tout ça. On va récupérer la carte d'EDA chez EDA. Mais je pense qu'on va... Aujourd'hui, ça va être peut-être un peu chillax. Et on va chiller de la carte. Pour... Parce que... Je peux pas spoil qui est la reine, mais voilà. Donc la gouvernante est de retour. Ah, mais c'est déjà l'envol. Ok, donc on va tout de suite entamer l'histoire du groupe CC avec un... Un petit tuto quand même, hein. On va suivre un guide, parce que alors là, je pense que à l'heure actuelle, il ne doit pas y avoir grand monde qui se souvient exactement de tous les emplacements des groupes CC. Parce que là, donc groupe CC, qu'est-ce qu'on a comme carte qu'on peut récupérer? Kyros, Irvine, le gros Chocobo, L-Train, Phoenix. Quand même 5 très belles cartes. Suite à Burakage des prochaines villes en fonction des villes actuelles. Ok, mon sens s'en fout. Création de nouvelles cartes.
Ah, il nous parle de Ishtar. Alors. Ah, mais non, mais alors oui. Oui, non, alors. La reine des cartes, parce que non, parce qu'il y a Léviathan dans le groupe CC. Je dis, mais merde, il est où Léviathan? Non. Là, ce que j'étais en train de vous parler, Kyros, Irvine, etc., en fait, ce sont des cartes à perdre. Minimog contre Kyros, Tauros contre Irvine, Chikibo contre Gros Chocobo, Alexander contre Eltraine et Eltraine contre Phoenix. Et tout ça, va falloir aller à Estar, va falloir aller à la BGU, au pub de Timber. Bref, c'est un événement plutôt de fin. C'est clairement plus facile. Bonsoir, Tauros, et bonsoir, Eltraine. C'est pas fini l'unboxing, pardon, excusez-moi. Non, non, groupe CC, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, Léviathan, Ahuri, Gilgamesh. Gilgamesh, un spoil, hein. D'une chimère. Mais donc, pour commencer, nous. Cette adversaire, vous avez croisé la prison des doyens après vous, une victoire contre le valet. Ah. Ok, il nous en parle parce que c'est une très bonne carte. Ahuri, c'est qui? Paul. Oh. Ne nous regarde pas. Donc, afin de pouvoir entamer cette quête du groupe CC, il vous faut au minima quand même 15 victoires de triple triade dans les couloirs de Balak. Bah, quand on dépouille un gamin pour une mini-mog, hein, le groupe CC, c'est normalement disponible assez rapidement. Hein. Donc, le valet se trouve dans le hall principal au rez-de-chaussée. Et je dirais que d'ailleurs, c'est lui. Eh hey vieux, le groupe CC ne t'a pas encore défié? Attends un peu. Je t'ai déjà parlé du groupe CC? Ah ouais, ah c'est vrai. J'ai hâte qu'il me défie. Petit fumier. Donc ça veut dire que je n'ai pas encore fait 15 victoires. Ça veut dire que le gamin, on l'a eu mini-mog assez vite. Ah ouais. Donc il s'est à peine spoilé qu'il était du groupe CC1. Ah, et Dr. Dowaki qui n'est pas là. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je connais, se mélanger à celle de Trabia et la mienne. Bah, vas-y. Aléatoire. On va peut-être pas prendre aléatoire. Merci. Il est la mort subite, je m'en fiche complètement. Mais l'aléa, c'est un peu anti-jeu, hein. On va essayer de gagner plutôt que perdre. Hein. Le but, c'est pas de repère d'ici le choix. C'est d'aller très vite. On va en faire. Alors, Phantom, ça tombe bien parce qu'on l'avait perdu, bien entendu. Allez, on enchaîne. On va en faire 4-5. On devrait pas trop avoir de difficultés de victoire. On pose ça là. C'est gagné, merci. On ne devrait pas avoir d'excellentes cartes. C'est dommage parce que Dr. Kawadawaki, ça aurait été une excellente, excellente dresseuse. Mais malheureusement, pas dispo. Mais on aurait pu peut-être récupérer la carte qu'on avait besoin pour créer la carte baptême. Quasiment certain que cette dernière l'a assurément. Donc, nouveau titre, hein, bien sûr, de cette vidéo. Hein. On dépouille une femme dans le couloir de toutes ses cartes. Au final, la série, ça va vraiment s'appeler « On dépouille X hein. ». On dépouille X, on dépouille Y. Je vous dis, la série sera complète. Hein. Encore 2-3. Oh, le salaud. Dans tous les cas, il y a l'Inoa au moins. Bien. Bien. Oh, Behemoth. Oh putain, comment je t'ai posé ça? Comme un gros dégueu. Bah ouais. Non, c'est un cannibale, pardon. Ok, on va essayer de le faire repop pour voir ce qu'il va dire. Vieux, le groupe t'as pas cessé? Attends, je t'avais parlé, oui. Putain, toujours pas. On a fait de 5 là de victoire. C'est-à-dire que le gamin, on l'a eu genre en 2-3?
I'm shocked. Bah t'as une note dessus. Bien entendu, hein, c'est pris. Et là, ça peut pas être pris. Chez. Victory. Ouais, c'est 15, hein. Voilà un pourboire pour manger. Oh là là. Rye leaf choco poule, rye leaf choco poule, rye leaf choco poule. Merci beaucoup. Christie's Best Waifu de FF8. Merci beaucoup pour ce don de 5 euros. Et bonsoir, Nours. Petit der, hein, monsieur. Petit der. Petit der, là. Der. Pour le beau jeu. Ah mais oui, oui, 15. Hein, je l'ai spécifié, Nours. C'est juste que, bon. Ils veulent pas, quoi. C'est des anti-anti, quoi. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de fights contre le gamin à... En fait, si tu cherches les sulfores des CD1 pour compléter tes... ta... Pourquoi il joue ça là? Il aurait pu faire 7 en bas et prendre selfie. On va chercher à comprendre. Hein. Mais si on avait battu Dr. Kadoraki pour récupérer pour la Gunblade, Leonhardt, on aurait eu nos fights en fait. C'était sûr. Que là, on est allé en mode YOLO swag. Mais bon, l'essentiel, c'est que dès que c'est start. On pourra tous les enchaîner. Le seul truc qui va être un peu lent, c'est la récupération de cartes. De cartes rares, bien sûr. Mais il n'y en a que 3. Et j'ai un peu peur qu'il y ait un changement de règle contre la reine. Mais bon, il se peut qu'on n'ait pas ce problème. On verra bien. J'ai eu l'impression de brutaliser des enfants de 15 victoires. Oui, j'avoue que... Viens là, toi, putain. Mais j'ai rien fait. Mon pou. J'ai besoin de 15 victoires. Bonsoir, Michael. Il paraît que tu te détrouilles bien aux cartes. C'est pour bientôt, alors? Très bien, Michael. Je te défie. Moi, je suis Valet. Le groupe CSC. T'as le niveau. Faisons une petite partie. Appuie sur croix quand t'es prêt. T'as la fille à de jouer? On peut rejouer. Eh bah, vas-y, bro. On est parti. Je te mets une branlée. On est parti. On n'en parle plus. Donc là, on va commencer à parler de vraies cartes. Donc là, il y a peut-être moyen qu'on chope ta carte, Sixi. Oh, attends. Good move or bad move? Peut-être good move. Oh, good move. Yeah. Ok, allez, ça dégage. Ah, j'ai perdu, t'es vraiment bon. Mais je suis pas le seul au groupe du CC. Il y a encore 6 personnes avant. Le chef du CC, c'est le meilleur. Le roi des cartes. Les autres, c'est les 4 couleurs. Ensuite, le cavalier de trèfle, le prince de pique, la princesse du carreau et la reine de cœur. Il y a aussi un magicien, le joker, au jeu incroyable. Maintenant que tu m'as battu, il ne devrait pas tarder à se montrer. Que la victoire s'accompagne. Donc le joker, on est parti sur le joker. Il y a Léviathan Carbuncle et, je l'ai dit tout à l'heure, Gilgamesh. Carbuncle ou Ahuri, bien entendu, hein, dans Final Fantasy. Peut-être petite sauvegarde, mais je crois que la sauvegarde elle est un peu mal placée. Qu'est-ce que tu fais là, lui? C'est comme fou. Mais faudrait qu'on trouve quand même une petite save. Il serait ici. C'est la que vous avez déjà probablement croisé à la prison acceptera de jouer contre vous. Après une victoire contre le valet. Il se trouve dans la terre de combat avec cran de droite sur le passage du Pilotis. Il y a une chance toi qu'il soit présent. Donc c'est quoi? C'est sur ce petit truc là, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais peut-être me heal. Ou peut-être passer en non-combat, en fait. Ça sera peut-être même mieux. Oh, j'ai vu qu'il m'a mis un 3K là dans la gueule. J'ai sué. J'ai sué grave. Oh, un petit T-Rex là. Il est pas là. Qu'est-ce que c'est qu'un petit T-Rex, hein? Ah, il est là. Hey, c'est toi, Michael? J'ai entendu parler de toi. Le Quichotte à tout prix, hein, bien sûr. Hein? Non, je vais jouer contre les... J'ai entendu que tu jouais quelques bonnes parties. Tu veux jouer contre moi? Non, groupe CC. Mais évidemment, j'en fais partie. Je suis le Joker. Je suis aussi la brebis galeuse du groupe. Ah, mais... C'est un mouchoir de combat. Si tu gagnes, je l'améliorerai. Joue.
Mais vas-y, sors la carte chimérique, là, tout de suite, comme ça, on n'en parle plus. T'as Léviathan, menteur, on le sait. Oh. Oui, plus safe, hein. Plus safe de faire ça. Il n'a pas de 6, c'est parfait. On va jouer ça middle, on va jouer ça en bas. Il ne peut pas récupérer, je récupère en plus la dernière, c'est gagné, merci, au revoir, à plus. Il va nous augmenter le mouchard de combat, je ne sais même plus ce que c'est. Mais toi, jouer maintenant, tu peux obtenir des informations sur les GeForce. Hein? Des infos? Mais qu'est-ce que tu veux que je... Oh! Oui, 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 oui! Je dis oui! Non, mais bro, il faut la jouer par contre. Oh putain, mon merde. Ah si, je peux faire ça. Oh, chais! Oh, chais! Chais, bro! Allez, bisous, salut! C'est ciao! Bah en fait j'avais aléatoire et j'ai viré aléatoire. T'as 4G éclaté. Ah dommage. Désolé. Après avoir gagné contre le Valet, discuté avec un costume 6 couloirs nord. Une chance sur deux qu'il apparaisse. 6 couloirs nord serait dans les alentours de là. Ouais, pas là. Bon, une chance sur deux, hein. On va faire aller autour, puis il va être là. Hein. Non, non. Hey bro! Ah! Ça fait longtemps que Jack n'a pas été battu. Je suis le trèfle! Je vais te battre! Ah oui, ils ont tous la même voix au fait. Hein. Je vous le dis comme ça. Hein. Et sachez qu'ils ont, ils ont tous la voix. Ces groupes CC, ils ont tous la même voix. Voilà, fin. M'embêtez pas à faire 500 voix là. Il y en aura qu'une. Faire ça comme ça, il peut pas la prendre. Je vais faire ça, il peut pas me la prendre. Je mets ça, je vais en prendre une et merci, au revoir, à plus. Eh, ils ont toutes les cartes possibles en, en niveau 3, mais ils veulent pas sortir ta carte. Hein, si, si. Allez, salut le cavalier de trèfle. Princesse de carreau, elles sont deux. Retournez au hall d'entrée pour rencontrer les carreaux. Ce sont les deux étudiantes qui sont côte à côte, tout simplement. Il y a une chance sur 4 de les voir. Wow. Ah, c'est, elles sont elles. Non? Ah, elles doivent peut-être s'arrêter. Oui, c'est ça. Impressionnant. Mais le cavalier de trèfle aussi. Tu es surpris? C'est exact. Nous sommes la princesse de carreau. Et deux fois la paire de carreaux. Nous reconnaissons ton talent. Nous te défions. Oui, bon, ok, ça c'est une femme, donc je peux faire une autre voix. Alors, la princesse de carreau n'a pas de carte. Donc comme ça, c'est très bien, bon. Mais en vrai, c'est que son... ce n'est que la reine de fin hein, qui a une carte. Ducate, c'est bien, on peut poser ce... on peut positionner ça là. On peut positionner ça là. Oui, je peux faire ça pour prendre Moloch. Moloch, pardon. Mais il est bon. Ah oui, vraiment. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été battus. Le dernier, c'était Sid, non? Mais il te reste encore deux autres couleurs à vaincre. Il reste donc le prince de pique qui est l'homme qui vous a donné les cartes au début du jeu. Et oui, ce sont tout simplement, ce n'est que cette personne qui est le défieur de groupe CC, ce qui est très marrant quand même. Il traîne toujours au premier étage à la sortie de l'ascenseur, il y a environ 15,625, c'est très précis, hein, 15,625% du temps. Très rigolo, mais va falloir maintenant le croiser. Ce n'est que 15% de chance, ça va être très chiant. Le v'là. Adi, quelqu'un m'a refilé des cartes, elles sont plutôt sympas, je vais les garder pour en faire une partie de ces quatre, non? Connais les nouvelles règles, maintenant. C'est à toi? C'est toi à côté? N'arrive pas à croire que t'es battu, Caro. Je suis une couleur, le prince de pique. Ça fait longtemps que personne n'arrive aussi loin. On commence, tu connais la procédure, hein. Oui. De mettre une branlée. Oh, attends. Non, on avait dit que c'était quoi? On avait dit que c'était un... Ah, je me suis extasié pour rien, je crois. C'est pas lui. Je me suis extasié de mon cristal. J'ai fait, oh, trop bien. Et ça n'a rien à voir, on est d'accord, hein. C'était un dragon, un truc comme ça. Quel excellent joueur tu fais. T'as joué et obtenu des cartes dans le monde entier, n'est-ce pas? J'ai des points communs avec elle. Donc il nous reste à affronter une dernière couleur, mes cœurs.
n'est pas une joueuse ordinaire. Elle est devenue l'une des meilleures joueuses du groupe CC, au moins de 3 mois. C'est une des règles de l'Algénie. Posséder la même faculté de compréhension et d'intuition. Bon, je t'ai assez ennuyé avec tous les détails. Bonne chance à toi. Alors, sans guide, bonsoir Enrod. C'est la suivante, la carte. C'est la suivante, peut-être. Ah, il me dit qu'il serait disponible un peu plus tard. Peut-être. C'est Fabrice. Donc oui, il n'a rien à voir. Même plus loin. Là, on a un problème. Donc oui, alors ma question. Comment peut-on connaître les personnes du groupe CC sans guide, si ce n'est que de spammer tout le monde? D'accord, ce n'est pas possible. C'est ça, tu spammes comme un retard tout le monde en fait. Donc, quel est mon problème? Mon problème est que... Eh ben... Pour débloquer le roi... C'est le docteur Kadowaki. Sauf que, on l'a bien vu à l'infirmerie, elle n'est pas là. Comment on fait? Le truc, quand tu reviens sur des maps, il n'y a pas tout le temps les mêmes PNJ. Ouais, ça, je suis d'accord. Parce qu'on est d'accord que là, elle n'est même pas à l'étage. Donc, Kadowaki, elle, son travail, elle le fait pas. Elle est payée pour rien foutre, celle-là. Bah, on va aller avancer dans le scénar, malheureusement, puisque Dr. Kadowaki ne veut certainement pas. Donc, je suis mauvais aux cartes. Tu peux pas remplacer le Dr. Kadowaki, s'il te plaît, Nida? Là, m'aiderait. Bon, écoutez, Selfie a mérité sa place, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais moi, je suis tout à fait d'accord pour lui donner sa chance, la pauvre. Elle mérite complet, hein. Écoustis mérite une raise. La pauvre. Franchement, j'ai pas été sympa, hein. On va faire un changement intégral de pouvoir entre Miss Linoa et Miss Quistis, bien entendu. On va faire une petite sauvegarde pour l'avancer comme... Et puis je vais vous reprendre sur l'autre écran, chat. J'ai besoin de ça parce que de toute façon je connais les suites. Bah non, je vais pas défier Chou. Pourquoi tu voulais que je défie Chou tout de suite? Hein? Pas obligatoire si. On m'a assez écrit dans le. Tu veux que je fasse le test en fait, c'est ça? Vas-y. Parce que c'est écrit pour débloquer le roi. Je suis un peu surprise. Je ne pensais pas que Pete perdrait. Je n'ai pas eu d'adversaire. Ah ouais. Je suis aussi la reine de cœur. Oh. Bah écoute, alors, je te lis ce qui est écrit. C'est l'ancienne, donc Dr. Kadowaki, c'est l'ancienne roi des cas. Parlez-lui à l'infirmerie pour débloquer le roi. Ah! Pour débloquer le roi des cas. Attention! On est sur autre chose. En apprenant que vous avez vaincu Vic, Kadowaki va durcir un peu la façon de jouer. Notez qu'elle jouera plus gentiment lorsque vous perdrez. Lorsque vous perdez. Ah bon? Oh! Ah, oh, mais c'est bon. Alors, c'est très intéressant. Ben, voilà, vous voyez, ça, c'est mon problème. Hein. Je ne lis qu'en travers. À partir du CD3 et jusqu'au début de Estar, l'infirmière ne sera pas systématiquement présente. Seulement 39% de chance d'y être. Donc, il ne suffit que faire des allers-retours. Tout simplement, salutations, Tara. Oui, j'ai sauvegardé. Donc, si elle est présente, c'est juste qu'on n'a jamais eu de chance. Oh, on a Tila. On a Polot. Oh, puis moi je m'en fous, hein. Je vais la fighter. Hein. Moi je veux la fight. Hein. Je veux gagner. Hein. Ça, c'était un mauvais move, Val. C'est
Ça veut dire que la Quistis. J'ai voulu faire malin, je suis tombé dans le ravin. Je peux le piéger avec ça. Ouais, ils ont des grosses cartes, hein. Donc, va réfléchir un peu mieux, hein. Va arrêter de faire le con, Val. Là, ça prend pas. Mais elle, ça prend. Donc, du coup, j'ai reçu bloqué. Du coup, on a repart à 1-1. Va falloir perdre, s'il vous plaît. Ça me va pas, ça. Hein. Ce n'est pas une bonne situation pour moi. Je suis en plein stress. Hein. Si je fais ça, je lui propose selfie au final. J'ai de bloquer selfie quelque part. Ça me dérange pas. Parce que je peux ça, enfin, enlever elle. Yes, je gagne. Hey! Incroyable, tu m'as battu. Je savais que je reviendrais, mais... Vous n'êtes que deux à m'avoir battu aux cartes. L'autre, c'était le président du groupe CC, celui qu'on nomme le roi d'Ardicard. Tu as battu les quatre couleurs, tu vas donc devoir battre le roi. Il te faudra le trouver seul. Dorénavant, tous les deux, on jouera pour le plaisir, ok? Pour débloquer le roi, on est obligé quand même d'aller voir Kodawaki. En tout cas, j'ai envie d'aller battre Madame Kodawaki. Hein. Elle mérite son fight. On aurait dû la farm pendant 107 ans. On l'a pas fait. Respectons. Bon, elle est là en plus. Non! Oh, je l'ai rattrapé au pile poil. Elle était déjà partie se barrer, elle. Eh oh, tu vas prendre ton service un petit peu, là, madame. Félicitations, Michael. Il paraît que t'as battu les quatre couleurs du groupe CC. Oh non, tu te trompes. N'en fais pas partie. Mais j'ai été roi du groupe CC. J'ai passé la main à une jeune fille il y a maintenant 4 ans. Je veux savoir de qui il s'agit. Désolé, je ne peux pas te le dire. Comme tu as battu les quatre couleurs, tu devrais la trouver sur ton chemin, probablement prochainement. Donc voilà, donc grâce à ce texte, on peut la découvrir. Elle allait au cabinet, oh, je m'en fous, elle reste ici. Alors, on va quand même reparler à Chou. On va reparler à Chou. Parce que Chou, bah, c'est pas le tout, mais elle a une carte à nous. Hein. Enfin, en tout cas, une carte intéressante pour nous. Et, oh, ah oui, non, elle est là. Le gouvernement est de retour, m'en fous. M'en fous. Putain, et c'est que des cartes de malade. On va jouer intelligemment. C'est-à-dire aucun sacrifice. En fait, il peut me la prendre partout. Putain, il a que D8. Et si je prends en bas? Si, il faut que je prenne en bas avec ça. Et lui, soit il met Agamemnon, je reprends avec Quistis. Soit il la met en haut, je reprends avec Quistis. Il met avec l'autre, je reprends avec Quistis. C'est bon. J'ai trouvé le piège. Ha ha! Mais c'est ahuri qu'on veut. Ouah, et c'est tordu du slip avec elle. Hein. Ah, le voilà. Oh non, il y a la carte au milieu que je n'ai pas aussi. Oh, la destruit, elle le poids, il y a trop de cartes que j'ai pas. Je vais tomber dans ma carte piège, Kaiba. Oh non, il y a trop de cartes que j'ai pas, je suis dégoûté. Ready? C'était chelou ce move. Parce que là, je fais ça, elle va le reprendre. Et moi, je reprends en haut, c'est gagné. Regardez. Ah, 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 ah. On va la fighter un petit peu. Hein. Une ou deux fois, pas plus. Hein. Juste pour voir si elle peut me les ressortir. Oui, elle m'en ressort une, c'est parfait. Et elle me sort la lienne. Oh, Pampa Senior. Attendez. Señorita, on l'a? On a señorita. Là, je prends ça, mais c'est mon piège parce que j'ai mon as derrière, c'est gagné. Ah oui.
Lui, je l'ai déjà vu, mais l'alien, c'est la première fois. On va peut-être le prendre l'alien en first. Et là, on va se retaper un alien et pas l'autre. Oh, si, parfait. Par contre, Monarque, il me semble que je l'ai. Bah, jusque-là, ce sont d'excellents placements. Carte piège. Ah, pas carte piège, il a été extrêmement malin. Et on repart pour un tour. Bien vu l'aveugle. Excellent même, excellent. Ah là en fait. Comme ça offert ? Non mais t'es idiot là. Tu le fais exprès. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit, lui. Lui, il a l'air de vouloir sortir Monarque, c'est la première fois. Et là, il y a moyen de compléter ce qui nous manque. Il nous manquera une carte 5. Oh, l'alien, seulement l'alien. Sérieux ? Eh oh, on sait que t'as des cartes de ouf, hein. Tu peux pas nous le faire. Pas nous. Pas nous, Michel, hein. Oh. Carte piège. Et ce qui sera intéressant... Oui, c'est toujours Koyoka, bien sûr, bien sûr. Koyoka, faut juste faire sa quête, donc. Ça voudra dire qu'on est terminé toutes les cartes. Là, à l'heure actuelle, si on arrive à faire ça, là, maintenant... Oh, j'allais dire, poser ça, c'est excellent, on peut pas nous la reprendre. Ah si, elle. Et à partir de maintenant, on peut plus reprendre plus 6. Excellent. Bah, moi, je fais ça, en fait. Je bloque là et c'est gagné. Mais on va pouvoir voir les nouvelles cartes si on arrive à en avoir deux, etc. Pour voir un peu c'est quoi la transformation en card. En objet pour éventuellement se faire plaisir, quoi. Ah, Anachoronox, je sais pas quoi. Ah, il nous en manque une après, je crois. Ok, je passe ça là. Je passe ça là. Je la reprends quand même, c'est pas grave. Je gagne. Tout de même, on va vérifier. T'as fait la reine? T'as fait la reine des cartes pour les 5 cartes que tu perds. Les 5 cartes que je perds. Ah, oui, non. Pardon. J'étais en mode groupe CC et là, j'étais en mode la reine des cartes. Mais oui, oui. Tu parles de Ishtar. Ishtar, on en a parlé juste avant. Donc voilà, nous en manque une et il nous manquera Koyoka ici. Et on aura l'intégralité des cartes. Enfin, l'intégralité jusqu'à transformer ces 5 cartes, bien entendu. Et la carte qui nous manque, c'est quoi? On l'a vu, je crois. Elle l'avait, hein. Va le monsieur au milieu là? C'est ça. Les 5 cartes à paumer, il va falloir les regagner contre la miss à la fin. Ah, je peux pas faire ça. Ah, oh, égalité. Fais chier. Faut que je commence, c'est plus simple. Merci. Contre un mom? Ah bon? J'ai pas ce souvenir. Ah si, non, il peut me la reprendre. Mais là, il peut pas prendre. Ah, chèque. Ah, t'es pas rigolo. Allez, pose où tu veux, j'ai gagné. Non, c'est pas toi. Bon, on va prendre Monarque, hein. Ça nous en fait des doubles. Hein. Non, mais elle l'avait, non? Il y avait pas une carte qu'on avait pas pris, non? Ah, c'est le gars en haut. Tu peux perdre, Swap. Quasiment sûr. Oui, c'est ça, nickel. Night, salut. Oh, je passe ça, tu peux pas prendre. En vrai, après, il sert plus à rien. Allez, c'est bisous. Akron, c'est bon. Alors, capacité card, on va c'est juste vérification, hein, voir un peu ce qu'ils font. Alors, Diroccos, ok. Pampa Seigneur, un cactos, faudra avoir un peu. Carotte pour une injection. C'est de la dope ou quoi? Salut, Karis Akira-san. Enfin, 40 Là où on disait les sulfores, ils étaient malades pour pouvoir faire des... les armes de fin, il faudrait en faire 80. Bah lui, 40 pour une injection. Putain, c'est une sacrée dose, hein. 10 pour des vitamines. Bah, ça colle avec ce qu'il y a en haut, hein. Une méga potion de GeForce, c'est un peu moche. Rock en flamboyant, c'est un peu moche. Carapace, c'est moche. Oh, par contre, des rocs météores, c'est excellent. Fabrice, on n'en a pas eu d'autres, malheureusement. Et bien entendu, Monarque, ça me semble logique. Et Rock,
Ultima et Alienator, c'est des méga potions. Ok. Ok, parfait. On va juste décoller pour pouvoir sauvegarder. Ils ont fait un dialogue. Je m'en foutais. Je m'en foutais comme la l'an 40. Alors, il me semble. Je vais faire sans guide. Moi, j'ai un vieux souvenir d'une nuit un peu spéciale. Une nuit un peu... Ah, mais attends! Si je le dis, ça révèle l'identité de la personne. Je pense qu'il va y avoir un problème à cause d'un petit truc qui se passe à l'écran. On avait la sauvegarde ici. C'est bon. Vous allez voir l'identité, vous allez comprendre pourquoi je disais ça à chat. Et pour ceux qui ne connaissent pas le truc, vous avez remporté les 4 couleurs. Vous avez prouvé votre valeur. Et oui, la chef n'est autre Quistis. Et oui, le chef du groupe CC, mais c'est en fait une cheftaine. Ah, le roi des cartes est en fait une reine, appelée Quistis Red. Félicitations, je n'arrive point à croire à quel point tu t'es amélioré aux cartes. Je suis impatiente de jouer contre toi. Allons-y! Je suis le voteur de troubles aujourd'hui. Il va falloir la carte de Shikibo pour la reine des cartes. Donc, il faut faire la carte des... Oui, bien sûr. Il faut faire la carte... Il faut faire la quête des fameux chocobos. Donc, la reine des cartes qui a rien à nous proposer. Sachez qu'elle a... Si, elle a Gilgamesh, pardon. C'est ça. Arquistis, t'es gentil, mais il est 3h du mat, là. On dort. On va revenir demain. Bah parfait, t'as perdu, elle est chère. Bisous. Oh, incroyable, tu m'as battu. Mais tu ne sois pas trop sûr de toi. Nous allons pouvoir jouer d'égal à égal, dorénavant. Je suis d'accord pour jouer, mais seulement sur la plateforme. A plus tard, Michael. Et là, elle est derrière moi. Tu veux jouer? C'est le mec. Tu veux jouer? Le mec, il est en pleine quête. Tu veux jouer? Relation surprenante, n'est-ce pas, monsieur? De Yugi, ouais, c'est devenu Yugi. Et mercredi, qu'est-ce que je vais foutre en bas? Il est mort, lui. Petit con, là. Je vais sulfater la gueule. Non, on a rien pas de ça. Vous avez vu, elle s'est quand même mise en fringue de seed. Mais non. Oui. Allez, donne Gilgamouille, et on en parle plus. Il y a Sulfor. Bah, si elle pouvait en même temps en profiter et le draguer, elle en profite, quoi. Je la comprends. Et bah, je vais quand même prendre ça, parce que derrière... Non, mais il faut poser l'aval, c'est con, quoi. On prend un Sulfor, hein, n'est-ce pas? Important. On adore cette carte. Lol. Alors, Quistis, j'ai deux questions. Première, tu fais exprès, et deuxième, tu fais vraiment exprès? Non, parce que on le sait, on a lu le guide, on sait que tu as la carte. Non. Comment ça, non? Elle a pas la carte? On m'aurait menti. Ça m'emmerde, parce qu'il va prendre forcément Quistis. Attendez, s'il prend Quistis, il pose Monarque. S'il pose Monarque, je prends Linoa et il peut rien faire. Ça fera égalité. Enfin, elle posera. Ce qui est très chiant, puisqu'il me, peut... il me reprend Quistis. Elle me reprend Quistis, pardon. Très chiant le setup qu'on a eu, hein. Oh. Alors. En fait, j'ai envie de poser là. Parce que la seule, c'est Quistis qui peut prendre. Et ça veut dire que je reprends les deux en même temps. Enfin, je reprends Quistis forcément avec. Ok, donc là, il prévoit un combo. C'est-à-dire que si je prends là, il prend soit l'un, soit l'autre. Ah non. Tu sais, il peut pas prendre là-bas. Oui, non, c'est bon, je gagne.
Ouais, c'est Zell en fait, j'ai fait l'erreur avec ça. Tout à fait. Allez là, on a la madame qui veut nous voir là. Voilà! Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh, il y a la carte pour eux. Il y a la carte pour Silcy. Terrible. Ah ben on sait qu'elle l'a. On va devoir prendre le Fabrice, hein. Un vide gamouille avant. Je veux bien tenter 2-3 games pour un Fabrice. Donc Gilgamesh qui a un flow incroyable, hein, pour moi. Chimère qui a la classe. En fait, si je pose là, j'en prends au moins une, il va passer sous le fort à gauche et puis on s'en fout, quoi. Parce que je gagne quand même, plus rien faire. Hey, salut Elimination. Salut à tous. Salut à ceux dans l'ombre, hein, bien sûr. Yes. Ah, tu vois, ça n'a pas été très long. On l'a. Très bien. Alors, capacité. Cardo. Fabrice. Alors, désolé, hein, certains vont peut-être être tristes. Mais une chimère va se renommer dans quelques secondes. Ah, j'en avais déjà une. On a cherché ça pour rien. Je suis trop con. Bird Dog va se renommer en Silcy. Je ne mets que Silcy. Que Silcy voulait en fait être le Shing. Il voulait être le Shing. Le toutou. Voilà. Speak incarné. Alors c'est vrai qu'on a eu Alexander et qu'on n'en est pas encore du tout occupé. La créa Magimax, on a enfin le dernier niveau de création de magie. Silcy qui va apprendre toutes les magies, bien entendu. Là, on n'a rien. Là, ça va s'apprendre. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Ça va s'apprendre. Ça va s'apprendre. Qui va terminer tout. Et EDF est en train d'apprendre les dernières connexions d'électricité. Très bien. Madame qui vient de choquer parce qu'on a appelé une chimère EDF. Attends, quoi? Elle m'a sorti. Ouais, bah EDF, c'est Golgotha. C'est la chimère de foudre. Oui. Allez, Déa. Et donc, alors oui, on va encore avoir du triple triade. Hein. Pardonnez-moi. Hein. Ah, merci. Vous avez fait du bon travail. Bon, excusez-moi. Vous m'en voulez. Je vous comprends. Ah, je parle. Et dès que ça score, je disparais. Mais comprenez-moi, si vous perdiez, ça en était fini de vous. Et si vous gagnez, je perdais ma femme. L'un ou l'autre, ces alternatives m'étaient réellement insupportables. Je sais que je vous ai déçu, mais je vous en prie, pardonnez Déa. Donc on va avoir encore un duel de cartes, hein. Désolé, mais... Ah, et le magazine! Un vieux Timber. Amenez. Qui a un haut fait d'avoir lu tous les Timbers? Edouard pour Cerberus, pardon? Elle se planque. Ah, mes enfants. Pardonnez-moi. Je vous ai élevé. Et pourtant, j'ai failli vous... Nous comprenons. Vous êtes lancé dans le combat en mettant de côté nos sentiments pour vous. Gouvernante. Mais je sais bien quand on cide. Vous êtes interdit de refuser le combat. Le courage est admirable. Sachez que je ne peux redevenir votre ennemi. D'un moment, alors. Mens ! Mais oui, non mais... Oui, je sais, tu l'avais déjà dit, Elfrain. Et quand il y a vraiment un viewer qui veut prendre le nom, on laisse le viewer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Illumination. C'est beaucoup de lore.
beaucoup d'explications en fait, mais ce sont des choses qui sont nécessaires en rapport à tout ce que tu as vécu. Il y a des choses qui sont pleines de questions qui sont très difficiles à comprendre. Donc, c'est le CD du lore, et ensuite c'est le CD du Battle de fin. Je n'ai rien pu faire en tant que. Longtemps que j'étais envoûté, ma volonté était sous le contrôle de la sorcière. Ultimessia, une prêtresse du futur. Elle apparaîtra dans de nombreuses générations. Ultimessia se voit trouver Elan et s'emparer de ses mystérieux pouvoirs. Elan et moi, étions très proches. Eh oui, mais on n'a pas le choix. Hein. C'est le CD du chill. Oh, tout de suite, Kyo. Ultimessia est une redoutable sorcière. Son âme exhale la haine et la colère. Je refusais qu'elle encercelle Elan. Se venger, c'est moi qu'elle a invité. J'ai perdu vraiment mon âme. Et Elan est saine et sauve. Pour mon séjour à Galbatia, c'est totalement impuissant. Une vraie marionnette. Amour, on peut diminuer un peu le. Amour, on peut diminuer un peu le ventilo. Je suis en train de me geler les miches. Je vais te congeler. Ouais. Ultimessia n'a toujours pas retrouvé la trace d'Elan. J'ai peur qu'elle empare une nouvelle fois de mon âme. Qu'elle s'empare de nouvelle fois. J'essaierai de résister autant que possible. Mais si cela ne suffit pas, je devrais de nouveau vous affronter. J'ai besoin de vous, mes enfants. Ah, mais bon. Faut des explications. Là, faut pour un moment le lore. Hein. Vous avez entendu parler d'Adèle, la magicienne. C'était une créature hermaphrodite qui régnait sur Estar durant la dernière guerre occulte, non? De nombreux Gabaldiens ont cru que j'avais hérité des pouvoirs d'Adèle. En réalité, j'ai reçu mes pouvoirs surnaturels lorsque j'avais seulement 5 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'Adèle, pour envie. Tu me sais, c'est sa vie de moi. Comme intermédiaire. Je crois, j'ai pas lu. Le temps qu'elle rejoigne le corps d'Adèle. Adèle, comme tu me sais, possède des ressources inépuisables, de haine et de cruauté. En associant leur pouvoir maléfique, ils seront capables de faire de ce monde. Adèle, comme tu sais, oui, mais. Oui. Bien. Ah, écoutez bien les conseils des DA. Je connais peu de règlements, mais si on mélangeait cette règle de Balam et les nôtres, c'est une partie de cas. Ah non, je n'accepte pas aléatoire. Je n'accepte toujours pas aléatoire. C'est relou. Ah, je sais comment se taper. Ah oh Michael, écoute ce que dit la gouvernante. J'en ai assez. Ce que dit Edea est intéressant, mais il y a beaucoup plus important. Gouvernante, savez-vous ce que Quinoa? Quinoa? La jeune fille en bleu? Que lui est-il arrivé? Elle était avec nous durant le combat, mais après la bataille, elle est tombée dans un profond coma. Coma. Quinoa est morte. Non. Pardonne-moi, Michael. Je ne pense pas pouvoir t'aider. Oui, 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 tout à fait. Mais nous, on a la but de collectionner toutes les cartes. Donc, on fera l'aléatoire, on profitera. Si on lose, on lose. Tant pis. Michael, je comprends que tout ceci soit épuisant émotionnellement pour toi. Mais pense à ton rôle de chef. Les élèves de la PGU comptent sur toi. Tu ne dois pas oublier le sort de tes camarades. Il n'y a pas que la vie de Quinoa qui est en jeu. Non, c'est vrai, mais. Ouais, pas de mais. Un véritable leader oublie ses problèmes professionnels. Quoi? Mais. Comment? Un vrai leader met de côté. Il va chanter Skyfall.
ses sentiments personnels, il s'est barré et a donné notre fonction de chef parce qu'il avait pas les couilles d'assumer de se battre contre sa femme. Ça va, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou comment ça se passe? Bro? À un moment, hein? Mettre mon zinzin, lui, hein? Complètement zinzin. Cher, imbécile. La proie du petit messia, c'était Lon. On s'est rencontrés la première fois, la nuit où je suis devenu Cid. On s'est réfugié à Timber. Le pouvoir d'Elon. On a voyagé légèrement dans le passé d'autres. Le petit messia veut explorer les souvenirs des autres. Notre relation était plutôt tendue au début. On a fini par se comprendre. L'ultime essai à sorcière du futur peut certainement accéder au passé à l'aide du don des lames. Mais que veut-elle faire dans le passé? Tu m'as lancé un regard malicieux. Squall qui est dans ses pensées, tandis que derrière, elle est en train de parler. Hein. Ah oui, non, mais complètement. Ma compression temporelle. Compression temporelle? Ça me fait un drôle. Une fusion du temps et de l'espace, passé, présent, futur, ne feront rien. Que deviennent les humains lorsque le temps et l'espace fusionnent? Donne-moi une autre chose. Oui, enfin, Squall découvre qu'il a des sentiments, enfin. Mais si, je suis le doubleur officiel, bien sûr. De tous les personnages. Hein. Mais non, si j'étais doubleur, si je serais doubleur, je vous le dirais, je ne suis qu'un informaticien streamer. C'est tout. Mais j'aimerais doubler, j'aimerais. J'aimerais porter ma voix à un personnage, ce serait marrant. Même un personnage secondaire, je pense que je kifferais. Et si le temps est compressé, ils seront tous blérangés dans le néant? Il est devenu néon, exactement. Hey, Mickaël! Alors, le RP de GTA, j'ai cherché des serveurs, je vous promets que j'ai cherché des serveurs. Et dès qu'on dit qu'on veut streamer, parce que je cherche un tout petit streamer, un tout petit serveur, ça va pas, les gens veulent pas. Donc c'est hyper chiant. Ou bien quand on trouve un tout petit serveur qui accepte des débutants, ça part en wall again to beast to fly. C'est du grand n'importe quoi parce que j'essaie toujours les serveurs avant. Et clairement, les mecs, c'est ils te braquent. Les moitiés des rôles ne sont pas là, donc ils te profitent que quand il y a les moitiés des rôles. Donc c'est très particulier. Et voir, en fait, il y a des gens qui sont là à dire des insultes, voir les mots qu'on n'a pas le droit de dire sur Twitch, comme les N-word. Donc c'est extrêmement compliqué de trouver un serveur accepté au niveau du streaming, et donc accepté sur la tolérance de certains mots, pour pouvoir le faire. On aurait meilleur doublage que ce qu'on a actuellement. Je ne pense pas. Mais la prochaine fois, je proposerai pour One Piece saison 2, bien sûr. Bonsoir, Idolis. Mais t'écoutes rien du tout. Bref. On doit empêcher l'ultime essai de prendre le contrôle d'Elon, quoi. Ça, mais... On retourne à Béju pour prévenir tout le monde. Mais nous aussi, on est inquiets pour Quinoa, tu sais. Mais alors, pourquoi? Laisse tomber. Doublage est un métier, exactement. C'est un métier que, d'ailleurs... C'est pour ça que je dis, je préférerais faire un rôle secondaire ou des trucs comme ça, hein. Mais voilà, je ne serai jamais à la hauteur de certains de nos doubleurs, quoi. Mince, c'est tout pour mon rapport. On doit d'abord trouver Elon. Après, on s'occupera du Messia. J'ai l'impression qu'Elon se trouve à bord du vaisseau des Cils Blancs. Pour trouver ce vaisseau, mais je ne sais pas où il est. Mais on va obtenir des infos. Restez sur vos gardes, ok? Oui, par contre, il n'est pas reconnu, je pense, à sa juste valeur. La prêtresse Dea est de retour chez elle. Elle n'est plus notre ennemi désormais. Laissez-la tranquille. En fait, le truc, dans le métier de doubleur, là où au Japon, c'est hyper reconnu, hyper... Tu es idolâtré, hein. Je vois Tona. Tona, par exemple, il y a une certaine doubleuse, Aoi Yuki, hein, qui est très certainement l'une des top doubleuses japonaises de manga.
Ah oui, non, mais tout à fait, hein, Kyo, tout à fait. Et bah eux, voilà, le salaire, tout suit avec, quoi. Et puis, t'as vraiment la photo avec les petites cases de tous les personnages qu'ils ont fait. Nous, en France, c'est pas la même chose, hein. C'est dommage, hein. Et Donald Renew, hein, il me semble que c'est lui, hein, qui a une chaîne Twitch et qui en parle et qui invite justement des doubleurs français. Peu connus ou plus connus, bien entendu. Hein. Je pense qu'au début, bien entendu, son but, c'était de faire connaître maximum de personnes connues pour faire attirer justement un maximum de public. Mais je ne sais plus, il me semble que c'est lui, sinon c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein, qui fait une chaîne YouTube. Et vraiment, je vous recommande d'aller voir chaîne YouTube et Twitch, hein, je vous recommande d'aller voir ça. Parce que justement, c'est plaisant. On n'a pas de très mauvaise carte en vrai. Si elle a tout de suite sa carte, ça serait ultra intéressant. Alors, sacrifier Linoa pour se faire retourner Linoa. Titre, je le dis maintenant. Je dis oui. Ah, j'ai un pour en bas. Ok. Ok, ça safe-tease la chose. Si je safe-tease, je joue ça. Ok, l'aléa 1, gagné. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir ce qu'on voulait. D'accord, c'est doubleur qu'on a un total what the fuck pour les Ken survivants en France. Oui, je pense qu'on pourrait critiquer X, Y, Z. Twisties, Dubunk. Ok, donc vous voyez la carte de EDA, elle est ultra badass, elle est juste trop stylée, et surtout elle est ultra beaucoup trop forte. Et j'ai de... Je vais pas dire que j'ai les meilleures cartes du monde, quoi. Je me dis Quistis en haut, 100% il me retourne avec le 6. Je me dis lui, au moins je peux le prendre des deux côtés, en haut comme en bas. Peut-être le meilleur move que j'ai à faire. Il y a la règle plus. Alors, c'est-à-dire que si on additionne chaque chiffre, on peut retourner les cartes. C'est-à-dire que si là... Là, j'ai un 12. Et au-dessus, j'ai un 13. Chef. 12 et 8. Là, je peux pas faire. Bah, en fait, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à un plus ici, en fait. J'ai pas lu. Donc, mais à coup de base, ma faute, hein. T'as à moi de lire, hein. Ah bah, vous voyez là, par exemple. 2, 6, 8. 7 et 2. Enfin, 8, ça fera 8 aussi. 7 et 1, 8, pardon. Donc, on retourne les cartes. Et en plus, le dragon, 4 et 4, 8. Donc, on retourne le dragon, alors qu'on est avec seulement un chiffre identique. Donc, excellent. Alors. Si je mets Wendigo en bas, il y a un 7 en haut, il y a un 7 en bas. S'il me chope double paire, c'est perdu. Si je mets Lingus, je mets le 8 en bas, il me retourne celle du centre en plus, c'est perdu. On mise sur quoi? Le 8? Moins de chances de faire comme EDA que de faire en haut et en bas. Oui! Je dis oui! Oh, regardez-moi cette beauté! Ah, moi, je misais pas du tout combo 8-8. Je misais plutôt combo 7-7. Et j'avais raison. Il y avait un 5-5 et un tac-tac. Il y avait combo 7. Oh, elle est trop belle, cette carte. Pour l'idolâtrer pendant 8 ans. Mais bon, 10 ans, maintenant. Et déjà, c'est ok. On peut se casser. Et on a gagné avec aléatoire. Ça, c'est très, très bien. Et on va aller chercher maintenant Shiva. On va avoir une belle sauvegarde parce que là, c'est mérité. Hein. Elle a des racines sur sa gueule. Mais non, c'est son... Son serre-tête. Oui, mais elle a un double S en coin, ce qui est excellent. Alors, nos mongolitos, là, de site blanc. Ils se sont cassés la gueule quelque part. Et quelque part où? Il me semble que c'est dans ces trains. Hein. Si c'est pas là-dedans,
C'est en extérieur. Vous savez quoi? Moi j'aime bien prendre la hauteur. Plus simple. Dès que je vois une grosse voile, là-bas. Non, c'est un pic de rocher. Dommage. Non, ça passe pas. Ah, mais je peux prendre là. Ah non. Ah si, je pouvais prendre là. Et ça m'aide pas. Je sais qu'ils se sont torchés là. C'est des c'est des guignolos là. Et ils sont en panne. Ils sont en panne dans un creux. Eh oh Michel, t'es où? On vient vous dépanner. Pas du tout. Il paraît que vous avez zone avec vous. Je déteste chercher leur vaisseau de mort là. Michel! Non mais c'est là et j'ai pas regardé, c'est ça? J'étais un connard, j'ai pas regardé par en bas. Oh, attends. Il faut une soirée de charité, il s'appelle le SID Action. Oh là 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 là. Normalement, je devrais pas rigoler, mais bon. Le SID Action, il a dit. Pas mal, pas mal. Faut reconnaître une bonne blague, quoi. Je peux pas être accepté pour tout le monde, mais bon. Tiens, je sais vraiment pas. Je vous jure, hein, je suis le roi des galériens à chaque fois qu'on parle des cibles blancs. Je ne les retrouve jamais. Pour moi, ils sont dans ce morceau-là. Hein. Dans ce morceau-là, là. Ils sont quelque part là. Ils sont pas là. Ils sont là. Et je n'arrive jamais à la retrouver. Alors qu'il n'y a pas 150 crevasses. Si, c'est là. Putain, je l'ai. C'est là. Ah non. Ah non, la crevasse là, c'était pour montrer ça. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. C'était fin, ça. Fallait qu'il y en ait un qui le dise, hein. Et il fallait que ce soit toi. Ah, bravo. Et on pourrait pas les voir de là, là. Non, parce que s'ils sont pas là, là. Ben quoi, Buffer? Allez! Et moi aussi, je vais le faire, hein! Putain, les mecs, ils vont se barrer de ce stream. Ils vont dire, c'est quoi ce guignol? Oh putain, je me suis pas con... Je suis coincé, Jaffa! Bon. Je me barre, pourquoi? Parce que Tu n'es pas... Ah merde, comment ils disent? Tu n'es pas... Ah! Je l'ai sur la langue. Tu n'es pas Non, je veux dire retenu en tant que tel, mais non, c'est pas ça. Tu n'es pas reconnu en tant que tel, c'est ça? Alors, CD Orbital... Oui, puisqu'on aura le fameux. Tu n'es pas considéré en tant que tel? Plein de mobs dans le but. Ah bah oui, hein. Bon, chat, que quelqu'un me le dise, là. Je sais plus, j'en ai marre. Je vous promets que pour ma prochaine session, dans 10 ans, je le retiendrai. T'imagines, le mec, il est en speedrun, et là... Je sais plus. Bah, je cherche le vaisseau des sites blancs. Bas gauche. Bas gauche de quoi? Du CD, là? Du C? Du C à l'envers? Ah bah vous savez quoi, j'ai le site ouvert, attendez. Babé, bah oui, Babé, pour capturer mieux les Pokémon, je suis con. Attendez, j'ai le site ouvert, vous embêtez pas. Ils sont... Eh, tu te fous de ma gueule, tu passais 20 fois. Ils disent qu'il est là. Mais j'y suis passé 20 fois, non? Oh, les menteurs. Non, mais moi, mon jeu, il est cassé, il n'y a pas les sites blancs, en fait. Ah ouais, c'est des mythos. Qu'est-ce qu'il raconte? Même le site, il mytho. Tu es aveugle mal ou comment ça se passe?
Attends. Attendez, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah non, je vais pas vous expliquer, vous allez le voir. Ah non, t'inquiète, il va être là devant nous. Est-ce qu'à un moment il s'est dit, je vais aller voir Linois? Est-ce qu'à un moment il s'est dit qu'il allait voir Linois? Je crois pas, hein. Il a dit on va aller chercher les sites blancs. Sauf qu'en fait, ce trou du cul là, qu'il est là, hein. Regardez ce qu'il va faire. Mais Linois, tu es si froide. Tellement envie de toi. Mais tu dors. Hein, connard, va. Pardon, ça sort du cœur. Vas-tu sortir de ce coma? Mais Linois, parle-moi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu es si pétillante. Je ne me sens même plus ton souffle. Aide-moi, s'il te plaît. Comme si elle était morte. Tu me manques. Oh! Alors, la mort de Marion Cotillard, elle est mieux que celle-là. Hein. Donc, on va devoir réinterpréter Laguna, tout simplement. C'est pour ça que je dis que c'est un connard, parce que jamais de la vie, il a dit qu'il fallait faire ça. Jamais de la vie, on est d'accord, chat. Alors, il se peut que Ward n'apparaisse pas si vous êtes allé faire la quête du village des Shumi. Si vous avez fait le village des Shumi et que vous avez lu le livre de Timber, il faut savoir que Ward n'est pas présent. Et pourquoi je dois faire ça, moi? Parce qu'on n'a pas d'argent. D'accord, je suis désolé. C'est vrai que c'est de ma faute si on dort souvent à l'hôtel. Mais bon, vous savez, je suis pas assez bon pour être acteur. Ah, c'est ce qu'il dit, mais on sait bien que tu en meurs d'envie. Attention, tous en position! Mais c'est quoi ce réalisateur? Il fait un film avec moi, un amateur? Qu'est-ce que je dois faire d'ailleurs? Alors Ward n'a pas de texte, c'est pour ça d'ailleurs. Je crois que ça... Ma faute si on est clodo. Il me semble que Ward n'a pas de texte parce que techniquement il fait pas partie d'ici. Ah, c'est bon. Si ça paie, je vais le faire. Vous êtes sérieux? Ah mais c'est quoi ce costume? Attendez 30 secondes, ma mère qui m'appelle, des fois ça peut être urgent. Ma mère a des quelques problèmes de santé, je préfère prendre l'appel. C'est bon, c'est juste pour la gestion de mon anniversaire. Pardon, excusez-moi. Mais quand je vois le téléphone qui sonne et que c'est écrit maman, je suis toujours en stress. Parce qu'elle a ce qu'on appelle une fuite au cœur, mais il n'y a pas de besoin de stem. Ça, je crois que c'est un stem hein, qu'on parle ça au cœur. Et comme ma mère est du genre, j'ai pas envie d'aller voir au médecin, j'ai pas envie d'aller à la nana. Bon, on est les trois enfants, on est les trois comme ça. Hein. Dès qu'on voit maman et qu'on n'est pas prévu à être appelé ma mère. Enfin, pas d'appel habituel du soir, on est toujours un peu stressé. Et donc vous êtes sérieux? Reprenons cette histoire. Mais vous êtes sérieux? Mais c'est quoi ce costume? Ah mais t'as vraiment l'air ridicule. Mais arrête de te plaindre. Allez, on y va.
Regardez, il tourne avec Ishtar d'ailleurs. Il me semble que c'est elle, non? Je suis pas fou, hein? Eh ben, toi! Aussi molle, finalement! Et voici de partenaire. Elle joue le sorcier. Salut, mon chou. Sympa d'être venu. Maintenant, mec, tu voulais un dragon? Oh, génial! Et vous deux, là? L'autre derrière? Ouais. Je suis Daniel Moïse, le mec qui devait jouer le dragon, il est malade. Vous croyez que vous pourriez enfiler de costume de dragon pour le marché machin par là? Et je vous paye. Hein. Et pourquoi ça? Thanks. D'accord. Soyez prêts, hein, rentrez en scène. Un chevalier. Il a l'air d'être ridiculement nuagé. Costume. Un Stance, oui, un Stance, oui, c'est ça, oui, pardon. Oui, j'étais perdu dans ma scène de... dans ma scène de FF8, j'étais plus à penser à ces noms. Mais oui, tout à fait. Et attention, et on y va, 3, 2, 1, mort de l'associé, scène 12. Prêt? Ça tourne! Oh, mon pauvre chevalier, sauvez-moi des griffes du dragon. D'accord, je vais te sauver des griffes du dragon. Mon sang, je deviens nerveux, moi. Et cette Gunblade, je suis un peu rouillé, moi. Ah oui, c'est vrai qu'il a qu'une Gunblade. Et il fait le geste de Squall. C'est génialissime. Et pas mal. J'ajouterai ça dans les commentaires plus tard. Ok, amenez-moi le dragon. Vous devez demander à madame de pour rouler. Non, pas les rôles de modèle, tout le monde. Puis madame, vous savez qu'elle est un peu timide, malgré que sur les cartes, elle commence à être un peu mieux. Mais allez les gars, dragon, vite! Très bien, c'est parti! Ah, c'est le psy qui dit que quand il y a des rôles de dames, dans les jeux, tu devrais venir pour doubler. Oh, Audrey, un vrai! Excellent, Kios, excellent! Vraiment! Mais attends un peu, leur costume était aussi grand que ça! C'est Ward, ils prennent ça au sérieux, on dirait. J'hallucine. On dirait un vrai. Et donc, on va s'amuser comme dans FF9, où on va se battre contre le dragon. Comme Squall dans la volée avec le soldat de Galbadia, nous allons devoir nous battre à la Gunblade. Oh ouais. Molo, Kiros. Ce ralenti moche. La réalité ou quoi? Quoi? Rocket, sabrez bien qui les ignore, c'est bien! Qu'est-ce que je fuis, moi? Courage! Fuyons! L'homme seigneur, il est tout à vous, hein? Le chevalier, je dois vous faire mes adieux. Hé, mais c'est pas là! Ah oh, mince, ne laissera pas partir! La Gunblade! Adieu! Donc la défense avec croix, l'attaque avec Y, et on est parti pour un duel au sommet. Oh mais j'y protège. C'est deux et protège. Ah bah non. Tac. Oh l'enculé. Il m'a KO! Quoi? Comment ça, pas encore, et donc ça fait ça? Quoi? C'était notre texte qu'il fallait faire? Merde, c'est de la merde, c'est de la merde! Mais plateforme de merde! T'es nul à chier! Déjà que je protège, il protège pas au 2. Au 1, pardon. Bon, au moins... Il y avait cette histoire de Linoa, là, c'est bon.
Ouais, là, ça a été très mal traduit. Enfin, on est d'accord que le deuxième, c'était « on est parti ». Enfin, on était en mode « vas-y, let's go » ou quoi. Tout le monde l'a compris comme ça, non? Ou c'est moi le seul débile qui a mal compris? Bon, c'est bien, on peut speedrun maintenant. Puis après, hey, c'est pas la faute du jeu, hein. C'est moi qui ai perdu. La faute du streamer, hein. Ah mais je suis tout à fait d'accord, comme Final Fantasy VII, Elframe. Il n'y a pas que Final Fantasy VIII qui est mal traduit, hein. Allez. Deux. Protect. Oh. Oh, je l'ai pas counter-attaque. J'ai pu l'anticiper de ouf. Ouais, FF10, beaucoup moins, ouais. Je suis d'accord. Il va me croquer, il va me croquer. Il va me croquer. Ah, si tu me crois pas, moi je te croque, hein. Tiens. Genre, il va me croquer. T'es bugué? Mais je suis protégé! Oh, j'ai grid, je m'en fous, j'ai gridé. Et c'est le moment, Fillon! On est d'accord, j'étais protégé là, non? Il peut me niaquer, ouais. Ça fait où la belle saucisse? Donc pour les joueurs de Final Fantasy Brave Exvius, je spam l'attaque. Là, clairement, il se laisse faire. Hein. Mais quelle empotée ce dragon! Mais où sont Kyros et Ward? Et l'homme, hein? Alors, ça te plaît? Eh, très bien, eh, c'est l'heure de bouffer du dragon. Alors il me semble que Ward n'a pas de spell. Vas-y, façon. Donc c'est le dernier rêve, il me semble. Non, il a peut-être encore un. Ah mais même Kyros n'a pas de spell. Comment ça, Christy, ça a rien? C'est bien, ça fera des LB plus vite. Hein. C'est con parce qu'en plus, les lames de Kyros, j'arrive très bien à critical avec. Je trouve que j'arrive bien à critical. Chacun... Ok, voilà. Fallait que j'ouvre ma gueule, quoi. Vas-y, coup de griffe sur la Laguna, là, schlam. Mais sérieux. En plus, c'est swing. Quand il y a le schling, le 1, c'est gagné. Voilà, vous avez vu? Que la Laguna, c'est à la première percussion de la balle. Ah, je l'ai raté. J'étais lent parce que je parlais. Allez, mort. Canicule, carte de griffon. Très gentil. Mais combien y en a? Ça n'arrête jamais. Et on se tire. Alors fais chier parce que j'avais aucune chimère de préparer. Oh ma jambe. Oh mais qu'est-ce que... La fameuse, hein. La fameuse « Oh, ma jambe !» Je ne peux pas me désynchroniser. C'est toi, Michael? Oui. De synchroniser. C'est comme ça que j'appelle ma façon de sonder les esprits et les souvenirs d'autres. Mon pouvoir est limité car je le fais en dehors. Moi, encore un peu. Je le fais rentrer.
Elle n'est pas là non plus. Elan, elle est venue. Les Istariens l'ont kidnappé. Je vais la retrouver, mais... Elle cherche un successeur? Je crois, ouais. C'est ta fille? Oh. Ouais, elle est un peu comme ma fille adoptive, ouais. Je voudrais tellement entendre son rire. Et moi, je voudrais tellement entendre le rire de Kinoa. Quelque chose ne va pas. Ah non, non, non. C'est juste ces fées, là. Dans le passé ou le présent, je reviens. C'est peut-être le moyen de la sauver. On ne peut pas changer le passé. Il y a toujours un prix à payer. Lorsqu'on m'a kidnappé, oncle Laguna est parti à ma recherche. Mais à cause de ça, je n'étais pas auprès de Rain lorsqu'elle est morte, en donnant vie à son enfant. Je peux uniquement envoyer les gens dans le passé d'une personne que je connais déjà. Excuse-moi, Michael. Je dois me désynchroniser. Je reviendrai te parler. Elan, attends. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans cette séquence? Je veux entendre ça. Et si je remonte le temps, je peux peut-être changer la situation. Elan, tu m'entends? Renvoie-moi juste avant que Kinoa tombe malade. Elan, tu peux me répondre. Tu es sur le vaisseau des Cides Blancs. Cides d'Eder. Eder connaît certainement l'emplacement du vaisseau. Je pourrais voir Elan et revenir dans le passé. On a appris que Laguna était un acteur, exactement. Je vais prendre la Dorée, là. Et merci. C'est le moment de prendre la DeLorean. Donc, Laguna, de par le CD2 dans le village, était avec une femme appelée Rain. Rain qui était plutôt à aimer cet homme, hein. Elon qui disait tu irais excellemment bien avec ce dernier. Ils auraient eu un enfant. Et cet enfant, qui plus est, serait un fils. Oh bah. Et en plus, monsieur connaît la Gunblade et connaîtrait certains gestes que Squall utilise lui-même lorsqu'il fait une victoire, une pose de victoire pour les victoires avec la Gunblade. Petit rapprochement peut-être, non? Non. Non, non, je vois pas, hein. Moi non plus. C'est Cypher, son fils! Il a les belles animations de Gunblade! Ah ouais, ouais, c'est Cypher, c'est sûr. Oh, couleur des cheveux, tout. Ah, c'est lui. J'avoue que je vois même pas pourquoi j'ai pas tilté, en fait. Donc, Quistis a perdu toutes ses chimères! Bordel de cul! Tiens, mais moi, je sais plus ce qu'il y avait, hein. Ouais. C'est déjà pas mal, on va dire. Oh, il y a du chaud à Michel, hein. Et Selfie, il n'en avait pas. Attendez, mais Selfie doit... Non. Se faire remplacer par... les pouvoirs... de Linoa. Sinon, on peut rien faire. Ah là, on a précision. Non, précision, il va aller sur Squall. Mince, il n'était pas présent pour la naissance, son fils, c'est triste. Aristia, je suis tout à fait d'accord. Quel salaud! Ah oui, alors tiens, niveau plus et niveau moins, c'est assez rigolo. Ça permet d'augmenter ou de descendre, de diminuer les levels d'une chimère. Bon, c'est un peu spécial parce que... Bon, ça marche bien, hein, mais... Comment dire? Père indigne, je suis d'accord. Comment ça, la queue de H2O? Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe avec Linoa, là? Tout. Don. Ah. Ok, donc, Selfie. Linoa, merci. Selfie, elle décollait pas, là. Voilà. C'est ça qu'on veut. Peut-être que Cypher, c'est le seul qui tient sa gunline à une main. On a vu ton combat contre le Griffon, il ne peut pas avoir de deux.
Non, et puis même au niveau de la carrure, les cheveux, la couleur des yeux. Ça peut pas être. Ça peut pas être Squall, vous avez raison. Je pense que c'est Cypher. Je suis d'accord avec vous. Alors, il faut vraiment parler à Edea ou est-ce que on a l'emplacement du vaisseau, c'est good? Non, on a le vaisseau, on a gagné. Qui êtes-vous? Je m'appelle Michael. Nous sommes des sites de la Béjure. Où est votre chef? Je suis le leader. Parlez, mais ne me faites pas perdre mon temps. Je souhaite voir Elon. Comment? Nous ne vous causerons aucun souci. Edea nous a indiqué votre position. Un menteur! Edea? Comment? Edea s'est libérée de l'emprise maléfique du Ultimessia. Elle est désormais notre alliée. Inutile de s'inquiéter pour Elon. Nous souhaitons avoir Elon à nos côtés pour la protéger du Ultimessia. Eh bien, nous n'avons aucune raison de vous croire. Au revoir. D'accord. Oh ! Elle est là ! Elle est contente de vous voir ! Oh ! Oh, Elon, un héros ! Et comment ça va, Michael ? Et qu'est-ce que vous faites ici ? Tout va bien ? Après votre départ, on a eu une petite fuite. On a dû fuir à une attaque albanienne. On s'est réfugié sur ce bateau. J'ai cru qu'on allait mourir. Azon voulait s'enfuir à la nage. Oh, j'avais un plan. Quoi ? Contenté de pleurer dans ton coin. Les cinglés sont sortis. S'en sortent toujours, pardon. Mais comment elle va, Kinoa ? Est-elle maintenant ? Kinoa, elle a affronté Edea avec nous, mais elle est tombée dans le coma après l'attaque. Actuellement, elle se repose à la BJU. Je n'ai pas pu la protéger. Je suis très bon, désolé. Ouais, c'est pas vrai ! Espèce de nul ! Je t'avais dit d'en prendre soin ! Elle est fragile, mon sang ! Tout ça, c'est à cause de toi ! Non, John, calme-toi. Elle n'est pas morte, juste très fatiguée. Michael a fait ce qu'il avait pu, n'est-ce pas, Michael ? Nous sommes venus chercher Elon. Une force maléfique est à cette trousse. Avec Elon à nos côtés, on pourra sans doute sauver Kinoa. C'est vrai ? Bah, suivez, John ! Il n'arrivera rien à Kinoa ! Elle va revenir avec nous pour aider à libérer Timbe. Ça va, pas cette fois. Mais s'il arrive quelque chose à Kinoa, je te jure, je vais te découper en rondelles. Alors, bro, tu te calmes, je t'emmène. Je t'emmène. Ok. Déjà que t'as besoin d'un magazine cochon, là. Hein. Et me fais pas l'innocent. Tu vas être content. Non, c'est l'autre. Non. Oh. Quoi ? Quoi ? Son magazine de cul, je l'ai. Ouais, il est là. Bon, je dis ça, moi. J'adore regarder l'océan. J'essaierai d'en apprendre plus au vaisseau. Avec un train, il suffit de suivre les rails, mais un navire, c'est pas pareil. Oh, wow. Comtesse Cochonou. Ça fait un siècle que je veux relire cette merveille. Dis-moi. Tu voudrais pas me le donner par hasard? Lui vendre 25K. Allez, je te le donne. Comme ça, tu iras au WC. T'inquiète, bon, ça va être entre nous. Waouh! C'est trop cool, sympa. Tiens, je te donne ça en échange. Carte de baptême et carte de Shiva. On a une nouvelle carte, Sixi. Bon, au cas où de redonner. À nouveau. Donc, carte Shiva qui est une 9-8. Pas du tout. 9. Enfin, 6, 7, 4, 9. Pas très ouf, hein, d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, les chimères, mais ils ont vraiment pris. Bon, ils ont pris le ils ont pris juste un fond bleu. La chimère en transparent, clac, on cale ça vite fait, bien fait, merci. Alors que là, il y a un réel travail d'artiste sur les figures des personnages, en fait. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ces figures ne sont pas utilisées en extérieur pour représenter les personnages et que ce n'est que représenté par juste un texte, quoi. C'est dommage, hein. Et d'ailleurs, ici, si vous avez constaté, il n'y a pas de bac et devant. Qui est très différent des FF. On a toujours eu une zone de bac pour prendre moins cher et là
Après, c'est l'association des chimères qui fait ça. Hein. Donc, sidéral, oui. Oui. Vous avez très bien lu. On parle bien de sidéral, là. Alors, c'est lui le con qui veut pas. Mais je vous ai demandé de quitter ce navire. Je n'ai aucune preuve que vous travaillez pour EDA. Rien ne me porte à vous croire. Donc, il fallait quand même parler à EDA. Parce que EDA va nous donner, si je ne m'abuse, elle va nous donner un mercredi. Une lettre pour les sites blancs. Les fèves de la Discord. Oh, tout de suite, hein. Je suis un teuteux ou je sais même plus où elle habite, Ultimessia. La paix, Ultimessia. EDA. Oh. Tiens, elle habite là, non? Non. Oh. Et non, l'orphelinat, il est à l'autre côté. Mais qu'est-ce que je suis con, hein. En plus, je le sais que c'est en face. Hein. Je le sais que ça n'a rien à voir avec ce Cetra là. Du câble. Est-ce que je peux vous aider? Le vaisseau des sites blancs. Celui où se trouvait l'homme. Les soldats sont extrêmement prudents. Ils ne restent jamais longtemps au même endroit. Ben, je vois. Tu vois, je sais que de nombreux sites blancs apprécient Sentra. Donc c'est Sentra et pas Cetra. C'est parce qu'à cause de Cetra, FF7, j'ai trop l'habitude de dire Cetra. Ils font parfois des pauses prolongées dans une des multiples critiques. Michael, prends cette lettre avec toi. Ils comprendront la lettre. Voilà. On est quand même obligé de venir lui parler trois phrases. Hein. Ouais, du con, là! Je l'ai, ta putain de preuve, là! Donc maintenant, tu me présentes l'âne ou je te casse ta gueule? Salaud! Moi, j'étais venu ramener un livre de cul et c'est tout, hein! Mais regardez. C'est l'écriture de la gouvernante! C'est avec qui vous l'a remis? Ah, vous l'appelez aussi gouvernante? Oui. Et depuis notre enfant. Nous aussi, nous avons été élevés par EDA. Ça a été dur de nous en prendre à elle, mais tout s'est bien terminé. EDA n'est plus envoûtée. Elle est à nouveau la gouvernante que nous aimions. Merci pour tout, Miguel. Nous sommes redevables, toi et la Béju. Même notre salut est d'ailleurs identique. Amusant. La gouvernante nous a appris le salut traditionnel des Cides. Un peu plus de sidéral, vous en prendrez. Merci beaucoup. Mais vous recherchez Edon. Je suis désolé, elle est partie. Nous aurions dû la laisser à la BGU. Mais qu'il est con! Vous vous souvenez? Nous l'avons récupéré dans la BGU lorsque vous étiez près d'Horizon. Hein? Donc quand même pas mal de réfugiés. Hein. Ensuite, nous sommes partis à l'est pour fuir EDA et les Galvagiens. La folle Galvagienne nous rattrapa rapidement. Ils avaient de nombreux vaisseaux et ils étaient déterminés. Nous aurions dû prévoir leur réaction. On réussit quand même à leur échapper. Mais notre vaisseau tomba en panne. Il était hors de question qu'on laisse Galvadia emprisonner Elon. Mais un navire Galvadien nous rattrape. Et au moment où il nous a attaqués, un vaisseau des stars apparut. Salut sa fils, oui, c'est la carte de Shiva en échange de conteste cochonou. C'est récupéré.
Nous sommes retrouvés au milieu d'un conflit de Galvadien et Destin. Puis, la situation est devenue encore plus étrange. Tout d'un coup, nous étions encerclés par des cyborgs d'Estar. Ils abordèrent. Ils nous ordonnèrent de venir sur leur navire. Nous devions évacuer le nôtre. On refusa. Je n'ai pas plus confiance en les cyborgs d'Estar que les soldats de Galvadien. Ben, ils faisaient rage. Et ils durent quitter notre vaisseau. Au moment où leur vaisseau allait repartir, Elon, qui avait tout entendu, sauta sur leur vaisseau. Ça ne lui ressemble pas. Mais ensuite, la flotte des stars se dispersa. Je ne comprends vraiment pas la réaction d'Elon. Et puis, nous sommes coincés ici. Nous irons à Estar lorsque notre vaisseau sera réparé. Désolé de ne pas avoir pu mieux protéger Elon. Donc Elon est à Estar. Je crois bien, ouais. Tu as choisi notre destination ? Estar. Il est fou de modernisme ! Modernisme, pardon. Ils vont se moquer de notre vieux vaisseau. En plus, le terrain n'est pas favorable à un atterrissage. Direction Estar, Nila. Ouh. Wow. Well, il rigole pas, hein. Nida. En porte-cucu. On te dit Estar. Estar. Alors, Estar. Estar étant une ville et un set, on va dire, un set très complexe. Faire et surtout beaucoup d'histoires qui vont bien entendu s'enchaîner. Alors donc pour l'histoire donc d'accord hein, donc chat hein, on révèle maintenant de toute façon il n'y a aucun endroit où c'est révélé cette histoire de père-fils, on est d'accord. Il n'y a pas une autre chose à faire avant savoir comment aller à Estar. Non, mais moi, j'aimerais bien récupérer mon anneau, là. Et je crois qu'il faut attendre Pandore. De là où il va se crasher, non ? Pour récupérer l'anneau du train. Il faut l'anneau du train, mais surtout, il faut des composants pour le train. Et putain de bordel de cul, notre chouchou, là, je m'en souviens plus. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est un... Attends, reviens. Là, voilà. Non, j'allais dire en face, c'est un continent qu'on peut aller. Et il me semble qu'il y a genre un truc. J'ai un gros doute. Mais je sais pas. Je sais plus. Bon. Le compteur s'affole. Ok. Quoi ? Le compteur s'affole. Le compteur, ça vole. Pardon, excusez-moi, c'est rigolo. Je suis un gamin, excusez-moi. Et il me semble que c'est là, hein. Enfin, c'est dans la brèche. Mais pour tout vous dire, hein, il est déjà, pour nous, pour le stream, déjà 20h. La vidéo est beaucoup plus courte, puisque aujourd'hui, j'ai été méga en retard, depuis d'une heure à cause du travail IRL, hein, en dehors du streaming, bien sûr. Donc, je n'ai pas pu me rendre disponible avant. Donc, je vais préférer m'arrêter là, ce morceau d'histoire. On reprendra pour le live mercredi. En vous souhaitant une bonne soirée ou un bon après-midi ou je ne sais guère quel moment de la journée pour vous, YouTube. Et des bisous. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de cette histoire. Ciao, bye!